Qu'est-ce que tu fais là, Jordan? Ben, tu viens plus à l'école, tu viens plus nulle part. Faut bien qu'on se voit de temps en temps. Moi, j'ai plein de choses à te raconter. Allez, on sort! Plus vite! Je suis sortie avec les filles, puis j'ai vu Kevin. Tu t'appelles Kevin? Ouais, c'est le gars qui du bar et que j'avais couché là, il y a quelques mois. Mais tu sais quoi? Il voulait encore coucher avec moi-même, il m'a pas texté, il m'a pas appelé, il m'a rien dit après qu'on ait couché ensemble. Puis en plus de ça, si je me rappelle bien, il voulait que j'y fasse un sandwich. Comme si, parce que moi, j'étais la fille du couple, moi, il fallait absolument que j'y fasse un sandwich. Que je suis pas une femme au foyer, prends pour qui? Je suis une femme indépendante. Oui, je couche avec le monde. Que je veux, mais ça veut pas dire que je suis une hostie de prostituée, ok? Ça n'a vraiment pas d'allure. Pour vrai, je pense que la féminisation de la femme. Dina, il a commencé à croiser Christiane. Tu sais, Christiane, mais elle est tellement laide, dire qu'il passe de moi à elle. On se prend une cigarette? Ça fait du bien. Ça arrête plus, tu sais? Je pense que j'ai une malédiction. Oui, je pense que j'ai une malédiction. Hier, j'allais voir le médium qui m'a dit que j'allais périr ma vie seule. Mais ça ne marche pas. Regarde, regarde, regarde. Oh, regarde! Regarde-moi, regarde. Prends-moi en photo, ok? Je te demande de me prendre en photo, puis... Je comprends pas ce qui se passe avec toi. Tu vas plus à l'école, tu quittes plus avec nous, tu ne donnes plus de nouvelles. Tu penses juste à toi, hein? Nous, on comprend pas ce qui se passe avec toi. Ben ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouh, je suis ici. Mais lâche-moi! Et toi, laisse-moi tranquille! C'est quoi ton problème? À qui tu parles? Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! T'es malade. Complètement malade. Tranquille!